Bonsoir, la pluie a fait son retour par l'ouest ce dimanche, une pluie parfois accompagnée de coups de tonnerre sur les régions du sud, mais des précipitations passagères qui auront déjà quasiment disparu demain matin, avec tout de même encore beaucoup de nuages entre les contreforts savoyards et l'Alsace, avec localement quelques petites gouttes. Ailleurs, pas mal de plaques de grisaille entre les Pyrénées et les frontières du nord, un ciel très voilé de la Gironde jusqu'à la mer du Nord, et puis de belles éclaircies entre la Bretagne, la Vendée et le Cotentin, temps ensoleillé attendu entre les Alpes et la Méditerranée. L'après-midi, quelques averses pourront se déclencher sur le flanc est du territoire. Ailleurs, un ciel très voilé prévu depuis les Cévennes en remontant jusqu'aux côtes de la Manche, avec peut-être en toute fin de journée et quelques gouttes pour la pointe du Cotentin et sur le nord de la Bretagne. Un temps beaucoup plus ensoleillé est tout de même attendu entre les Charentes et l'Aquitaine, et puis éventuellement une petite averse à proximité du relief pyrénéen. Les températures de votre lundi matin, souvent fraîches, orientées à la baisse, à peine 5 degrés pour les Ardennes, 18 degrés tout de même pour Nice, et puis l'après-midi, valeurs qui baissent par rapport à celles de ce dimanche. Elles sont tout de même tout à fait correct pour la saison, 18 degrés pour la minimale attendue à Calais, 20 degrés pour Paris, 21 à Nantes et à Lyon, 22 pour Grenoble, 24 près de la Garonne et jusqu'à 26 près du bassin de la Méditerranée. Votre mardi sera une journée majoritairement nuageuse sur les régions du nord-ouest, avec peut-être quelques gouttes à proximité des côtes de la Manche, une petite averse possible également entre les Alpes et la Corse, et puis ailleurs un soleil largement présent, notamment depuis la Lorraine jusqu'au golfe du Lion, et les températures après la fraîcheur matinale seront très douces l'après-midi, 22 pour la capitale, 23 à Nantes, 24 pour Bordeaux et 27 degrés à Marseille. Pour mercredi, le soleil va s'imposer sur les trois quarts du territoire, en particulier dans le sud, dans le centre et dans l'est. Les nuages seront plus fréquents entre la Loire-Atlantique et les Ardennes, et puis les températures très douces en cours d'après-midi. 22 pour Paris, 23 à Strasbourg, 25 à Clermont-Ferrand, 28 degrés pour Marseille. Ce sera même chaud et estival pour le sud du territoire. Et puis jeudi sera une journée estivale quasiment partout, avec un soleil très présent et des températures largement au-dessus des normales de saison. 24 en moyenne pour le nord, 27 dans le sud. Vendredi, les nuages vont se multiplier par le quart nord-ouest. Ailleurs, encore un soleil largement présent et des températures toujours élevées pour la saison. Et puis enfin, pour le week-end prochain, ça devrait se dégrader, avec samedi peut-être un front qui pourrait traverser le pays du sud-ouest jusqu'aux frontières du nord avec quelques pluies. Et puis dimanche, place à un ciel variable et les températures qui, même si elles vont baisser un peu, resteront tout de même au-dessus des normales saisonnières. Demain, nous serons le lundi 26 septembre. Nous fêtons les Côme ainsi que les Damiens et nous perdons 4 minutes de soleil. Excellente soirée à tous et à demain.